Salut YouTube et bienvenue pour ce 28e épisode d'Assassin's Creed Odyssey. On se retrouve dans un endroit particulièrement laid. Ah là là, le jeu est vraiment dégueulasse par moment, putain. Ah là là, c'est pas beau Michel. Où on voulait se rendre, on était là, on voulait aller là. Allons là. C'est par là qu'on va. Hop là. Oula, oula, Michel, Michel. Ok, c'est bon. Alors... C'est d'Abantis, hein, ouais. Détruire les silos à grains, ok. On peut faire ça, pour l'instant j'ai pas tellement de raison de le faire, Michel. Mystios, up here! Please don't make me shout! Oh putain, toi, si je pense que je vais te les démonter tes silos à grains. Oh, thank the gods you heard me. Sounds serious. How can I help? I'm thirsty. Usually my husband fills me up, but I haven't seen him in a while. So, if you could just reach over there and grab me the wine. I'm a Mystios. I don't fetch wine. Wait, your husband's missing? Oh, well, yes, I suppose he is. You must be drinking a lot if you didn't notice your husband was missing. Yeah, between you and me, it's hard to notice anything after enough wine. Your husband must have enemies or something. Someone who might want to make him go missing. The dagger. If you're wealthy, they're your enemy. A local captain and his Malaki's dagger friends visit as often as they please, demanding made-up taxes and beating my husband if he doesn't pay. Will you find him? Will you find my husband? Don't worry. I'll find him. Thank you. Is there anything else I can tell you? Any idea where I should look for your husband? He's been trying to find ways to get his shipments past the Dagger's forces on the road east of here. Anytime his carts ride by, the troops on patrol take a cut. More of their godless Malaki's taxes. My husband usually waits on the road directly south of the cave until it's clear. You mentioned something called the Dagger. I thought a Mystios would know. They're tiny blades that look like baby swords. You said the dagger like they were a group, or... Oh, right. The dagger. They're just men, Mystios. Greedy. Delusions of grandeur. Bleeding dry, the drachmi of poor innocent slave masters, like me! I've heard enough. I'll head east and find your husband. Thank you, Mystios. Ah bon, on va faire ça. Putain, mais le lot catastrophique, bordel. J'espère qu'ils vont patcher ça, les mecs. Hein. C'est pas possible que ça s'en l'éteint. Mon Dirfi est passé par là. Hein. Vers l'est. Au sud de la grotte de machin. Et bah c'est sûrement dans la grotte qu'il est quoi. Ok. Écoute, on va y aller tout de suite. Hein. «
I should be able to follow the husband's tracks. Ok, bon, allons-y. Ah, il y a un Michel là qui est en face de moi. Là. Écoute, on va avoir de l'action, non, si j'ai bien compris. Bonjour Michel, écoute. Embrouillons-nous, Michel. Someone wants you dead! Got to slow down sometime. Oui, j'ai dû faire une connerie dans l'aptitude. Voilà, mets-moi celle-là. Regarde, on va te faire un truc drôle, Michel. Tu vas venir là. Dommage, j'ai raté. Ah, il m'a buté, putain, j'avais pas fait gaffe. Réveille-toi, Michel, s'il te plaît. C'est vraiment la déconcentration tout le temps. Parce que le jeu est vraiment pas difficile. Même en Nightmare, il est vraiment assez gratos. Il est passé où le Michel? Ah bah non. Ah, il est plus là. Oh là là, on est triste, on est déçu. His cart. Looks like he tried to escape an armed patrol. Didn't end well. Oh tiens, pas ce côté là. À la loyale ce coup-ci. Pas la loyale, c'était déjà le. Ah, il est en train de s'embrouiller avec un din. Oh putain, il est en train de s'embrouiller avec plein de trucs. Eh bah non, Michel. Avec les ours. Michel, tu attaques au moment ou pas? Voilà, merci Michel. Parfait. Ok, donc on avait dit qu'on avait trouvé le truc du mari. Hein. Voilà, il est là-bas. Ouais, ça a l'air de s'être mal passé là. What happened here? Guards. Malakias got up guards. They wanted taxes. They always want taxes. Took my master up to the Distos fort. He should have paid their stupid taxes. He should have paid. I'd better head to the fort. Okay. Ça me fait penser, je vais tenter un truc. Bouge pas, YouTube, je reviens.
Alors voilà. Oui, j'ai testé pour voir si l'échelle de résolution améliorait le load ou pas, mais non. Non. Y'a un truc là-bas, là, 130 mètres, c'est quoi? Vaisseau fantôme. Vas-y, on va aller voir. Allons voir ça. Ça m'intrigue. Something? Pirates are making the waters unsafe for travelers. You want me to destroy all the pirate ships? By Zeus, you'd do that for me? I'll help you. You have my word. Please be quick. May the gods guide you. Ouais, non, ça par contre, j'en ai rien à branler. Je vais aller au fort là. Hop là. T'as vu ça le fort, c'est mort, non? Au centre de l'EB et demi une crête dans les ruines oubliées de Macris. C'est plutôt ça, hein. Ouais, c'est plutôt celui-là, hein. Bon, on va y aller. Ouais, je pense pas que ce soit celui-là, ça c'est le sang, c'est le... Le camp des Spartiates de leur mort. Locked up. Oh, écoute, on va rentrer par la porte d'entrée. Hein. Is this fort? It's big. The husband could be anywhere in there. Oui, bon, tu sais, moi, je rentre, je fais toc toc. Hein. Bonjour Michel, comment ça se passe? Ok. Ding ding dong, comme on dit Michel. Hein. Michel. Ok. Ah, faut buter les cochons parce que les cochons donnent plein de... De cuir. On a besoin de cuir, toujours.
Toujours besoin de ça. Qu'est-ce qui se passe, Michel? T'attends. Vraiment n'importe quoi. Oh là là. Et du coup, ça n'a pas pris la tête au-dessus, si? C'est celle-là qui l'a pris, d'accord. Oh, fait chier. Au final, je vais refaire la même critique que je faisais il y a quelques épisodes. Le monde est gigantesque, oui, il y a plein de trucs, mais 39% des trucs qu'il y a dans le monde, c'est des camps. Alors, c'est un peu... Il n'y a pas de petits villages, il n'y a pas de... Je suis assez déçu sur... Au final... Il n'y a pas la promesse d'un monde plus vivant et plus crédible encore. Le Bonne World est ouf, hein, il y a un truc dingo dedans, mais... Bon, je suis quand même assez déçu du... Il n'y a que des camps dans le bled, quoi. Il n'y a absolument que des camps. C'est le seul truc qu'il y a à faire dans le monde quand tu te promènes, quoi. C'est vider des camps. Et des forts, évidemment. Bon, on va faire ça plus intelligemment ce coup-ci, plus sérieusement. Voilà. Yeah.
bien bougé, Michel. Merci, Michel. Tiens, c'est pas risqué. Quel connard. C'est pas simple, hein. Putain de bâtard, lui. Oh là là. Bien voyage, Michel. Ah!
C'est pas simple, Michel, c'est pas simple. Putain, Michel. Barrez-vous, condomine. On va prendre nos distances. Voilà, on va récupérer de la vie. Voilà. Michel, je suis là, toi. Ok, niveau 19, parfait. Ok, donc c'est plus que toi. Eh ben, embrouillons-nous, Micheline. I'm just here for the reward. Allez, vas-y, viens, attaque. Je crois qu'il y a un glitch, Michel. Si tu fais... Je vais essayer de leur faire parry dodge. Tu peux... faire un genre de deflect. Leur côté.
Ok, on peut pas la... On peut pas la, la recruter, là. On s'en bat les couilles du lion. Ah bah c'était très dur Michel, c'était vraiment très très fun aussi, vraiment très très fun, mais c'était vraiment très très dur. Enfin très très dur. Enfin avec la mettre, pas faire n'importe quoi et d'être concentré quoi, c'était toujours extrêmement plaisant. C'est là-dedans, Michel. Ok. Ouais, normalement on arrive ici niveau 20, si j'ai bien compris. Bon bah. Et là-bas, le dernier. Après, je peste, je râle sur le... sur le jeu, mais c'est aussi une manière de me motiver par moment, parce que moi je suis un peu tendance à me laisser aller un peu, donc gueuler ou râler un peu sur le jeu, ça me motive un peu, ça me réveille, du coup je fais un peu moins de merde. Il en reste un. Et là-bas. Les volants. Parfait, monsieur.
Ok. Alors. C'est quoi que j'ai 2 sur 2 là? LB bas pour changer la roue, d'accord. Bah j'ai déjà que 3 aptitudes, Michel, donc pour le moment. Qu'est-ce que je vais pouvoir prendre? Je peux pas l'améliorer. Là je suis tout à fond. Hein. Ouais d'accord. Je pourrais prendre du coup. Voilà, je peux monter. Ouais, ouais, voilà. Ou je pourrais reprendre une. Qu'est-ce que je pourrais prendre? Le feu. Est-ce que je reprendrai le feu? Est-ce que je peux reprendre ça? Un assassinat critique, ouais, moi ça me. Ah, mais ça, ça pourrait être. Mais bien sûr, le temps ralentit, mais bien sûr, c'est ça qu'on veut, Michel. Mais attends. On joue Barbar Rogue, mon gars. Évidemment. Ah bah ça va être fumé ça. J'avais même pas fait gaffe, j'avais ça. Formidable. Hop, tiens, le vautour. Ça dure pas longtemps, mais ça peut donner quand même un avantage non négligeable. Oui, c'est beaucoup mieux que le feu et ces conneries là. Le feu et le poison, je les prendrai endgame pour. Comment dirais-je? Ok, donc Michel nous attend là. Où est-il? On va sortir du four déjà. Ah. Un chasseur de primes à proximité. Ouais, bon bah. Admettons. Ça me fait pas plus peur que ça. Enfin, il y en a qui sont. Ah, il est juste là, là. Quel niveau il est? Michel! T'embrouiller, Michel. Oh, mais je le connais, on a pas déjà joué, lui. Ça fait super mal. Putain, j'aurais pu le foutre par-dessus la falaise, bordel. Si j'avais pas utilisé le. On va t'emmener, hein. Voilà, viens là. Just give up! Putain, bâtard. Comment il peut me faire aussi mal I'm impressed you got this far. Death is coming,
It'll soon be over. I'm impressed you got this far. Bien là, Michel. My blade will make short work of you. J'ai un peu pas à lui parce qu'il a... Putain, t'es enculé. Putain de bâtard. Ah putain, il peut pas se faire barrer, il peut pas se faire foutre. Gros bâtard. Bon bah c'est très bien, on est content. On va faire une petite sauvegarde, Michel. Ce serait pas du luxe. On va aller rejoindre le mec qu'on a sauvé là. Surprised? It's just, you look more like a hired killer than a hero. Your wife hired me to check on you. She was worried. About me? Well, she'd had some wine. So you have met her. Is there anything I can help you with? I need to know everything I can about the dagger. Oh, they have such ambition. A legendary greed. They appear to be pirates, yet they're organized, funded, well-connected. There may be more than just a kingfisher pulling their strings. Don't worry. Taking on shadowy organizations is my specialty. Your wife seems, nice. She does have her tastes. Expensive ones. The dagger keep taking and taking. I don't know what she'll do if I ever run out. I know she loves me, I just... I'd rather not find out how much she loves me. Still, you've earned a reward. I keep an emergency stash of drachmi in a cave behind a waterfall not far from here. It's directly north of where my cart crashed. Take what you think you've earned. Just leave enough for me and my wife. Better collect my drachmi from the husband's stash in the Cataractes cave. Ok, donc on a 900 bornes. C'est là, hein. Écoute Michel, on va faire... Est-ce qu'on ferait pas un petit détour par là parce qu'il y a un truc là? Ouais, on va faire ça. Quoi qu'il est déjà... Il est déjà l'heure de finir cet épisode de YouTube. Donc on ira dans la grotte au prochain épisode. Voilà.
Les combats étaient vraiment très très cool. Dans ce fort là, c'était vraiment très dur. Et j'aime vraiment beaucoup le système de combat de du jeu. Vraiment beaucoup. Son héroïne et son système de combat, c'est vraiment ce que le... Moi, ce qui me plaît le plus dans ce jeu-là, puis son univers, évidemment, parce que bon... La Grèce antique, Michel... Qu'est-ce qu'on peut faire de plus stylé que ça, ouais. Oui, parce que moi, là-bas, je suis quand même plus... Je rêve ou il est assis... Oui, il est assis, l'ours, putain. C'est tellement stylé, les nounours. Oui, moi, je kiffe l'Égypte, hein, mais... Grèce antique, je kiffe encore plus. Hein. Enfin, bref. Voilà, salut les gens.